Que retenir de cette victoire des Gunners à Fulham? Il y a un nom qu'on va évoquer d'entrée, auteur de trois passes décisives, Ouais. Leandro Trossard, arrivé l'hiver dernier chez les Gunners et qui s'est formidablement bien fondu dans le projet collectif de Mikel Arteta. C'est ça la patte Arteta aussi. On parlait en début d'année du meilleur recrutement estival en Angleterre décerné à Arsenal. Ouais. C'est aussi vrai pour le recrutement hivernal avec Trossard, mais aussi Jorginho, qui avait été décisif quelques semaines auparavant. Oui, c'est vraiment là, je dirais que c'est peut-être le signe le plus fort de la patte Arteta. Il y a le jeu, bien évidemment, il y a l'état d'esprit de cette équipe qui est franchement enthousiasmant, mais il y a aussi le fait que le club a complètement changé de cap au niveau du recrutement. Il y a pas si longtemps, Arsenal recrutait David Luiz et Willian. Et là, ils ont recruté Gabriel Jesus, ils ont recruté Alexander Zinchenko pendant l'été. On a vu le résultat parce que les deux ont eu un impact aussi formidable. Au passage, bien évidemment, Gabriel Jesus, on le mentionne en passant, il a joué un quart d'heure Il environ est contre revenu, ouais. Fulham et il est revenu et c'est une excellente nouvelle. En fait, Arsenal maintenant va attaquer la dernière ligne droite. Il leur reste 11 matchs à disputer avec en fait un effectif quasiment au complet et avec en fait une richesse sur le banc qu'il n'avait pas en début de saison. Et puis donc, cet hiver, Jorginho est arrivé, Leandro Trossard est arrivé, et Leandro Trossard est arrivé au passage aussi parce que Mudryk est parti, a préféré partir à Chelsea. Tout à fait. Mais ça a été parfois la chance parce qu'ils ont payé en fait un cinquième du prix qu'ils auraient payé pour Mudryk pour Trossard, qui est plus âgé, qui n'a pas la même réputation, etc., etc. Mais Leandro Trossard s'est immédiatement fondu dans le moule. Il peut jouer sur tous les postes sur le front de l'attaque. Donc, on l'a vu sur l'aile gauche, puisque c'est de l'aile gauche qu'il a en fait délivré ses passes décisives pour Gabriel sur ce corner, pour Gabriel Martinelli, puis pour Martin Odegaard, qui de nouveau a été mais phénoménal Éblouissant, dans ce ouais. rôle d'animateur de numéro 10. Mais il peut jouer également avant-centre. Il jouait faux numéro 9. Donc, ça donne toutes sortes de possibilités à Mikel Arteta pour déployer. Maintenant, il a une richesse sur le plan offensif qu'il n'avait certainement pas. Jesus est de retour. Bon, Edin Ketia est absent et va être absent pour un bout de temps, mais il y a Gabriel Martinelli, il y a Emile Smith Rowe qui revient maintenant, qui est presque match fit. Ouais. Il y a toujours l'étonnant Bukayo Saka qui joue tous les matchs mais ne semble pas fatigué, c'est Bah ouais. Et impossible. qui est un des meilleurs joueurs de Et première ligue cette saison, disons-le clairement. absolument, si ce n'est le meilleur, Ouais. bon, on en reparlera plus tard. Il y a Reece Nelson qui revient également, qui avait été décisif et de quelle manière le week-end dernier. Bref, je dirais pas que c'est abondance de biens nuit. Là, c'est plutôt abondance de biens profite. Et Leandro Trossard joue un rôle absolument co considérable là-dedans. Et Jorginho, que tu mentionnais, lui, on ne l'a pas vu. Par contre, on l'avait vu les semaines précédentes. Il avait eu un petit problème viral, mais il donne cette profondeur de banc qu'il n'y avait pas en milieu de terrain où Mikel Arteta a été un petit peu obligé de jouer Thomas Partey et Granit Xhaka à tous les matchs. Là, il peut au moins faire tourner un petit peu. C'est pas encore fantastique, ils ont besoin de se renforcer dans ce secteur comme ils ont besoin de se renforcer en défense centrale. Mais ça augure extrêmement bien pour ce qui est du reste de la saison. Parce que tu évoquais les cas de David Luiz et de Willian. Arsenal a été souvent moqué aussi parfois pour surpayer des Oui. joueurs. Et je me souviens que même l'été dernier, au moment où ils mettent, je crois que c'est plus de 60 millions pour Ben White, vu de France, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font? Même pour Oui, Aaron Ramsdale qui avait été payé très cher. Bon, bah voilà, on a ravalé notre loque 2 ans après. Mais oui. qu'est-ce qui explique ce changement de paradigme sur le marché des transferts et ces réussites récentes d'Arsenal? Est-ce que c'est là aussi Mikel Arteta qui a pris conscience de l'importance aujourd'hui d'un secteur scouting et en tout cas performance beaucoup plus développée et qui limite les prises de risque ou en tout cas limite les erreurs autant que possible. Ben, je crois que la meilleure façon de voir ça et de dire que tu as raison, c'est de regarder aussi qui est parti. C'est-à-dire que la patte Arteta, le recrutement, c'est aussi les joueurs dont tu te débarrasses. Ils ont dit adieu à Mesut Özil dans les circonstances que l'on sait. Ils se sont séparés de Pierre-Emerick Aubameyang au bon moment. Et donc, il s'est reposé sur un vestiaire beaucoup plus jeune, avec de vrais patrons. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le recrutement de Gabriel Jesus et Zinchenko a été tellement important parce que ce sont deux joueurs qui sont des boss. Ce sont des winners. Ils ont déjà gagné avec Manchester City. Il n'y a qu'à voir l'attitude de Zinchenko sur le terrain. C'est incroyable. C'est simplement incroyable. C'est un patron. Il a trouvé un capitaine qui également est un exemple dans ce registre, qui est Martin Odegaard, qui n'est pas seulement un joueur d'une incroyable finesse et
qui a une vision du jeu qui est absolument remarquable. C'est tout simplement l'un des meilleurs numéro 10, meneur de jeu en première ligue et je pense en Europe, mais c'est également au niveau de la personnalité. Et donc, le recrutement a été fait de manière très, très intelligente. En plus de ça, on a également baissé le niveau des investissements. Ouais. Quand tu fais la somme de ce qu'ils ont payé pour Jesus, Zinchenko, Jorginho et Trossard, en fait, c'est moins que le prix d'achat de Mudryk pour Chelsea, je pense. Ouais. Donc, c'est dire que, enfin, c'est moins ou c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est autant dire qu'on a revu ça.